passer à côté l'aide aux aînés, c'est à mon sens inacceptable et ça n'a pas la note de passage. Il s'agit d'un budget axé sur les Canadiens de la classe moyenne et qui vise à amener davantage de Canadiens à en faire partie. Madame Freeland est la première femme ministre des Finances à déposer un budget. Donc, pour ça, ça mérite d'être souligné. Elle a fait l'histoire en ce sens. On est présentement en consultation avec les acteurs et les organismes et les groupes qui sont les plus touchés par ce budget-là pour voir, pour essayer de déterrer un petit peu, de voir si vraiment les aides ciblées sont adaptées. Mais il faut noter qu'il y a quand même enfin de l'aide à plusieurs industries en difficulté. Nous, le Bloc, honnêtement, on a fait de la pédagogie, on a été très patients parce que souvent, quand on s'adressait au gouvernement, il y avait une incompréhension totale de ce dont on parlait. Ça a fini par rentrer partiellement, tant mieux. Maintenant, deux grands absents, et c'est inacceptable, on voit qu'ils n'ont pas de problème à trouver de l'argent. Okay? C'est un budget extrêmement dépensier, c'est normal, on est en temps de crise. Comment se fait-il qu'il n'y a pas enfin la hausse dans les transferts en santé? Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est une demande unanime de l'Assemblée nationale à Québec. Ça aurait été nécessaire même avant la pandémie, mais la pandémie vient exacerber cette situation-là. Il y a une explosion des coûts. Je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point ça va être très problématique pour les provinces à l'avenir qu'il n'y ait pas ces transferts-là. L'autre grande absente, c'est la question des aînés. Les aînés, il n'y a pas de hausse de la pension. Il aurait dû avoir une hausse de la pension. On parle d'aider les aînés de 75 ans et plus. On est certainement d'accord avec ça, mais un aîné, ça commence à 65 ans et plus. Ce budget vise à finir la lutte contre la COVID. Il vise à guérir les blessures économiques découlant de la récession causée par la COVID. Il faudra rembourser tout ça et cesser de pelleter en avant. Je crois qu'une des solutions là-dedans, c'est la lutte à l'évasion fiscale. Il y a enfin une reconnaissance qu'il faut le faire dans ce budget-là. Encore une fois, on a fait un travail patient là-dessus pour que le gouvernement finisse par s'en rendre compte, mais ça ne va vraiment pas assez loin. Il faut véritablement que quand on ne paye pas ses impôts à l'étranger, on sache qu'on ne va pas s'attendre. Quand on ne paye pas ses impôts chez nous, pardon, on sache qu'il ne faut pas s'attendre à l'aide de la collectivité, là. Vous avez bien saisi et décrit la situation. Et je... Et j'ajouterais peut-être encore que de façon générale, tous les gouvernements de tous les pays ne mettent pas l'emphase sur la prévention ou des systèmes d'alerte précoce. On ne court pas après les élections, c'est pas ça qu'on veut. On fait notre travail de parlementaire. Et puis, je vais vous dire que ce n'est pas parce qu'on dit momentanément qu'il n'y en aura pas que les chances ne peuvent pas grimper en flèche. S'il n'y avait pas eu, étant donné que l'Ontario risque d'être le champ de bataille de la prochaine élection, s'il n'y avait pas eu cette troisième vague qui frappe particulièrement l'Ontario, on serait en élection au moment où on se parle. Nous TV, ensemble pour notre communauté.